Salut à tous, c'est Forest Man. Bon, vidéo, retour aux acacias pour finir tout ça là. Donc on a retiré toutes les branches et tout. Je vais tout vous filmer après. On a tout repoussé dans le champ là et tout à la main. On débite, on les ressort du champ, enfin du parc, tout ce qui était dedans. Et après on va tout stocker d'un côté. On va tout faire au Kubota, charger dans la remorque et faire des allers-retours comme ça. Et une fois que ce sera fini, ce sera bon. Et puis on va charger du coup ce magnifique saule. Attendez. Là, voilà, celui-là là. Qu'on va abattre. C'est le beau-frère là, il est en train de faire déjà l'entaille. Et du coup, bah je vais vous prendre ça en vidéo. Donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, vous abonner, puis partager. Et puis merci du soutien. Encore à tous ceux qui nous soutiennent. Et ça fait toujours plaisir. Hein. Et là, on va reprendre de plus belle. Allez, bonne vidéo. Bon voilà, là, il est en train de faire l'entaille du coup. Ce qui est assez imposant quand même. Hein. Je vais me rapprocher pour que vous voyez. Il est assez gros hein, et il penche donc il n'y aura pas besoin de coin. Et je vais vous prendre tout ça en vidéo. Bon, c'est le seul truc qu'on abat aujourd'hui. Hein. Enfin, le seul arbre qu'on abat aujourd'hui. Donc voilà. Il y a une petite pause pour relimer la chaîne. Et là c'est parti. Il l'a percé. Il n'y a plus qu'à couper la bête. Et du coup, pour les connaisseurs, vous en doutez bien, le saule est bien sec. On va se reculer quand même. Par précaution. Et pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Là on l'entend qui chante. Il y a eu un petit craquement. Et c'est parti. Oh. Et voilà. Abattage effectué. Il est assez long et assez grand quand même. Bon, comme la plupart des saules. Hein. Donc voilà. On va pas se mentir, il y a de la charbonnette. Hein. On voit qu'il est bien sec. Hop, je vous fais un petit tour et après je vous montre comment ça vient avancer. Voilà. Bon, petite rectification, hein. Je me suis planté, c'est pas un saule, c'est un peuplier. Bon, il était rempli d'eau, hein, mais il est quasi, de toute façon il était mort. Et du coup il a été débité. J'ai commencé à le fendre. Mais là comme on a préféré focus
tout ce qui était débardage de l'acacia et autres bois, charbonnettes, tout ça. Et ben du coup on reviendra juste pour fendre. Et puis on embarquera tout ça quoi. On vous fera une vidéo spéciale dessus directement. Et je vais vous montrer déjà tout ce qu'on a fait, comment c'est dégagé, et puis vous voyez que c'est propre quand on repart. Donc voilà, la charbonnette qui reste. Bon après ça c'est de l'herbe, des branches sèches hein, qui a poussé. Tout dégagé. Hein. On a tout poussé. Là, il reste encore un peu de 33 et puis pareil, des morceaux de 2 mètres. Au fond une tache aussi. Et là, c'est bien dégagé. Celle qui n'aura pas survécu ici. On dirait que c'est lourd. Dernier chargement de la remorque du coup. Et là voilà. C'est vide de chez vide. Donc, on ramène les tables de golf. Ah je suis chaud. Bon je vous reprendrai, on vous fera la fin de la vidéo pour vous montrer le tas final. Et voilà. Bon bah voilà, la vidéo touche à sa fin, on est chargé, et là, on a débardé quelques grumes, hein, en bout de 4 mètres, 2 mètres, et celle-là, 10 mètres. Hein. Donc voilà le tas. Très très loin, on n'a pas calculé combien qu'il y avait de mètres, mais il y a une sacrée quantité. Hein. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, que des bonnes choses. Ciao, bisous, bye!